Nous sommes le 13 janvier 2017. Il est 4 heures du matin à Walterboro, une petite ville de 5000 habitants située à l'extrémité de la région de Low Country, en Caroline du Sud. C'est une petite ville conviviale. Tout le monde se connaît. C'est une petite ville qui est préservée des problèmes que peuvent rencontrer les grandes villes. Jusqu'à ce qu'un quartier de cette ville tranquille soit réveillé en pleine nuit par les gyrophares clignotants des voitures de police qui s'arrêtent devant une petite maison de Lemax Street. La police a débarqué comme s'ils venaient pour arrêter Jack l'éventreur. La police a encerclé cette maison blanche bien ordonnée qui semblait abriter une famille parfaite. On a tout de suite su que quelqu'un avait commis un crime. La maison appartient à Gloria Williams, âgée de 51 ans. Mais que vient faire la police dans sa maison? Et que vont-ils découvrir à l'intérieur? C'était très surprenant. C'était une maman très investie qui était impliquée dans la vie de la ville et à l'église. Les gens étaient stupéfaits. J'étais à la fois abasourdie, sous le choc, effondrée. Gloria Williams, femme agréable et fervente pratiquante de 51 ans, est une maman qui travaille et qui est très respectée dans sa ville de Walterboro. Gloria travaillait dans une maison de retraite. Elle prenait soin des personnes âgées. C'était quelqu'un d'intègre, une femme agréable. Quand on l'a croisée, Gloria s'arrêtait pour nous parler et nous dire quelque chose de gentil. Elle allait à l'église tous les dimanches et au groupe d'études de la Bible tous les mercredis. Cette vie tournée vers la foi offrait un cadre formidable pour sa famille. Gloria et sa fille Alexis sont très proches. Gloria et Alexis avaient vraiment un lien indéfectible. Leur relation mère-fille était extraordinaire. C'était un environnement de vie idyllique. Mais derrière cette image de famille idéale, Gloria cache un terrible secret. Un secret né d'une relation explosive qui débute 20 ans plus tôt. En 1997, Gloria, alors âgée de 31 ans et récemment divorcée, croise le chemin de Charles Walker, séduisant jeune homme de 25 ans. Charles était un jeune homme attirant. Il semblait être quelqu'un de bien. Charles avait toutes les qualités qu'elle recherchait chez un homme. Il la soutenait, la réconfortait, tout en étant un homme très viril. Fraîchement divorcée, Gloria cherche un homme pour se sentir à nouveau épanouie. Voilà ce preux chevalier qui débarque, qui met fin à sa solitude et comble ce besoin d'amour inconditionnel. Gloria avait tellement envie d'être aimée et acceptée qu'elle s'est jetée à corps perdu dans cette relation. Le passé trouble de Charles ne freine pas les sentiments que Gloria éprouve pour lui. Charles avait eu quelques démêlés avec la justice. Il avait du mal à trouver quelqu'un qui l'acceptait comme il était. Elle s'est éprise de Charles. Elle voyait en lui du potentiel. Et malgré son passé, elle était prête à lui faire une place dans sa vie. Le couple emménage rapidement ensemble. Gloria pense avoir enfin trouvé son âme sœur. Charles est arrivé et a apporté à Gloria l'amour et la reconnaissance qu'elle attendait. Elle aimait Charles et Charles l'aimait. Mais comme beaucoup de relations commencées dans la passion, les ardeurs du début ne durent pas. Après à peine un an passé ensemble, Gloria et Charles réalisent que la vie commune n'est pas toujours aussi simple qu'il n'y paraît. Les choses ont rapidement mal tourné entre Gloria et Charles. Elle et Charles se disputaient en permanence. Les choses sont devenues compliquées, peut-être même malsaines. Pourtant, Gloria veut sauver son couple. Son précédent échec l'avait marquée et elle voulait à tout prix que cette relation-là dure. Elle était prête à tout pour ça. Elle lui a dit qu'elle l'aimait encore et que peu importait le reste. En décembre 1997, Gloria apprend une heureuse nouvelle. Une nouvelle qui, elle espère, pourra sauver son couple. Gloria est tombée enceinte. C'était son souhait le plus cher.
Le couple apprend qu'ils vont avoir une petite fille. Ils choisissent le prénom Alexis. Alors qu'ils préparent l'arrivée du bébé, Gloria et Charles réalisent que l'amour qu'ils se portent est encore fort. Dès qu'elle est tombée enceinte, les choses ont changé. Ils passaient du temps ensemble. Ils ne parlaient plus de rupture. Cet événement a apaisé les choses. Mais après quelques mois de grossesse, les choses se compliquent lorsque Charles est arrêté pour vol. Gloria était stupéfaite. Même s'il avait eu quelques démêlés avec la justice par le passé, elle pensait que Charles voulait changer de vie. En dépit de l'arrestation de Charles, Gloria pense qu'ils ont ouvert un nouveau chapitre et qu'une fois qu'Alexis sera né et que Charles sera libéré, leur relation repartira sur de bonnes bases. Quand un bébé arrive dans la vie d'un homme, l'homme prend conscience des responsabilités dont il a la charge. Gloria fonde tous ses espoirs dans ce bébé pour recoller les morceaux. Mais Gloria n'a pas idée que son désir de garder sa famille unie va être à l'origine d'une série d'événements dramatiques qui vont se dérouler au ralenti pour finalement éclater au grand jour presque deux décennies plus tard. 13 janvier 2017. Il est 4h du matin et la police de Walterboro en Caroline du Sud vient de pénétrer dans le domicile de Gloria Williams dans l'espoir d'élucider un mystère vieux de presque 20 ans. Il n'y a aucun bruit dans la maison et rien ne laisse penser qu'un méfait a été commis. Il y avait des photos de sa fille, toute pomponnée, avec ses petites chaussures et ses chaussettes à volant. Ça semblait être une famille heureuse. Dans les faits, on aurait vraiment dit une vie tout à fait normale. Dans une des chambres de la maison, la police localise Gloria. Les policiers avaient un mandat, ils l'ont trouvée au lit. La police lui demande alors où se trouve sa fille de 18 ans, Alexis. Gloria leur répond qu'elle dort chez une amie. À ce moment-là, les policiers passent les menottes à Gloria et l'informent qu'elle est en état d'arrestation. À leur plus grande surprise, Gloria répond qu'elle les attendait depuis très longtemps. Gloria leur a dit qu'elle était angoissée, qu'elle s'attendait toujours à trouver quelqu'un sur le pas de sa porte, prêt à l'arrêter. Mais qu'a donc fait Gloria? Alors qu'il la voit sortir de sa maison menottée, ses voisins s'interrogent. On a compris qu'elle avait commis un acte répréhensible. C'était un quartier paisible où il ne se passait pas grand-chose. Quand on a vu toutes les voitures de police, on a trouvé ça très bizarre. Quel crime Gloria cache-t-elle? Et depuis combien de temps? Bientôt, les enquêteurs démêleront un tissu de mensonges qui plongera tous les gens qui connaissent Gloria Williams dans la plus grande stupéfaction. Quand cette histoire a éclaté au grand jour, ses voisins ont été les premiers surpris. Gloria était prête à tout pour garder Charles. Elle ne voulait pas le perdre. 13 janvier 2017, à Walterboro, en Caroline du Sud. La police vient d'arrêter Gloria Williams, une aide-soignante de 51 ans. Les policiers la conduisent au poste. Alors que le jour se lève sur la petite ville, les enquêteurs l'informent des chefs d'accusation qui pèsent sur elle. On parlait d'enlèvement quand même. Comment cette mère pieuse s'est-elle retrouvée impliquée dans une affaire d'enlèvement? On a du mal à imaginer cette femme très religieuse enlever un enfant. Les gens ne disaient que du bien de Gloria. Elle était cultivée, serviable. C'était une mère, une voisine, une amie. Ça a choqué tout le monde. Gloria a beau ne pas avoir le profil d'une criminelle, les policiers sont certains d'avoir arrêté la bonne personne. Ils lui expliquent que des enquêteurs sont venus de Jacksonville, en Floride, pour l'interroger, à la suite d'une confession surprenante. L'informatrice leur a révélé que son amie lui avait confié avoir été enlevée à Jacksonville, en Floride, quand elle était bébé. Elle a ajouté que son amie s'appelait Alexis et qu'elle vivait à Walterboro, en Caroline du Sud. Après avoir reçu cette information, la police de Jacksonville étudie les certificats de naissance de Walterboro. Ils mettent la main sur celui d'Alexis
née le 10 juillet 1998, fille de Gloria Williams et Charles Walker. Pourtant, en l'examinant de plus près, ils s'aperçoivent qu'il s'agit d'un faux. Ils ont découvert que le certificat qui indiquait qu'Alexis était né en Caroline du Sud était un faux. Puis les enquêteurs expliquent avoir découvert que le jour où Alexis est né en 1998, un nouveau-né du nom de Kamaya Mobley avait été enlevé dans un hôpital en Floride. Ils ont vu que l'âge correspondait, donc ils se sont dit que l'information était sans doute fondée. Les enquêteurs poursuivent leur récit. Après avoir reçu cette information, ils rencontrent l'informatrice au poste de police de Walterboro. L'entrevue avec la jeune femme, Brittany Mitchell, se présentant comme étant une amie d'Alexis, est filmée. Brittany révèle à la police qu'à son 16e anniversaire en 2014, Alexis a voulu postuler pour un emploi dans un restaurant du coin. Alexis, she was looking for a job, and so she applied for a job at Shoney's. Selon Brittany, pour postuler à cet emploi, Alexis doit fournir son numéro de sécurité sociale. Alexis ne le connaissant pas, elle fait ce que tout enfant aurait fait, elle demande à sa mère. À ce moment-là, Gloria Williams lui dit qu'elle a quelque chose à lui confier. Elle lui dit « Tu n'as pas de numéro de sécurité sociale. Il y a 16 ans, je suis entrée dans un hôpital à Jacksonville et je t'ai enlevée. » Gloria s'est posée et lui a révélé ce qu'elle cachait depuis 16 ans. Elle a pris son téléphone et lui a montré une photo d'une affiche de la disparition du bébé. Cette affiche avait été placardée partout à Jacksonville en 1998. Brittany explique qu'Alexis ne savait pas quoi penser de cette révélation. Elle a du mal à imaginer qu'elle a été enlevée. Pour Alexis, ça relevait de la fiction. Selon Brittany, après quelques recherches, Alexis découvre avec stupéfaction que les dires de sa mère semblent vrais. Cet enlèvement a été relayé par les médias. Les journaux en parlaient. Ça avait fait du bruit. Tout le monde en parlait. À Jacksonville, tout le monde avait entendu parler de cette histoire de la petite fille qui avait été enlevée à peine 8 heures après sa naissance. Après avoir exposé la déclaration de Brittany Mitchell et présenté la preuve que le certificat de naissance était un faux, les enquêteurs demandent à Gloria sans détour si elle a enlevé Kamaya il y a 18 ans. Et si c'est bien vrai, pourquoi? Les enquêteurs espéraient que Gloria allait leur donner des détails. Mais il semble que Gloria n'ait rien à dire. Elle pensait que cet enlèvement allait régler ses problèmes. Elle n'avait pas réfléchi aux conséquences que ça allait avoir sur son entourage. Gloria Williams, 51 ans, est arrêtée pour enlèvement. Dans la petite ville de Walterboro, en Caroline du Sud, c'est la stupéfaction. Gloria a été arrêtée pour avoir enlevé ce bébé dans une maternité en Floride, 18 ans plus tôt. L'histoire semble invraisemblable. Pourtant, les enquêteurs disposent d'une déclaration sous serment d'une amie de la fille de Gloria l'accusant et de preuves qui portent à croire que le certificat de naissance d'Alexis est un faux. Les enquêteurs savaient que ce qui semblait au départ une simple piste s'était transformé en suspect dans l'enlèvement de Kamaya Mobley. Mais pour faire valoir les accusations portées contre Gloria, les enquêteurs vont devoir obtenir des réponses. Tout d'abord, quel était le mobile de Gloria pour commettre ce crime? Et l'homme qui élevait Alexis comme sa fille, Charles Walker, était-il impliqué dans l'enlèvement? Mais la police ne doit hélas pas compter sur Gloria pour leur fournir les réponses à ces questions. Elle a exercé ses droits en décidant de ne pas leur répondre.
Dans l'espoir de faire parler Gloria, les enquêteurs lui décrivent ce qui s'est passé le 10 juillet 1998 et les conséquences effroyables de l'acte qu'elle aurait commis à l'encontre d'une jeune femme devenue maman pour la première fois. Tout commence aux alentours de 15 heures. On a entendu des rumeurs qui disaient qu'un enlèvement s'était produit à l'hôpital. Lorsque la police arrive, ils trouvent la jeune Shanara Mobley, âgée de 16 ans, à la porte de sa chambre dans un état de panique et de confusion. Shanara était en détresse. Elle arpentait le couloir de la maternité en criant. Elle criait « Où est mon bébé? Je veux mon bébé !» Il y avait de la tristesse et de la colère dans la voix de cette jeune fille. La police bloque immédiatement toutes les sorties. Il fallait boucler le périmètre en espérant que l'auteur du crime se serait enfermé dans l'hôpital. Hélas, ces mesures sont insuffisantes et prises trop tard. Le temps que la police arrive, la femme avait déjà fui avec le bébé. Pour obtenir plus d'informations, la police de Jacksonville interroge Shanara. Elle leur explique en sanglots que sa petite fille s'appelle Kamaya et que malheureusement, le père n'a pas pu être présent pour l'accouchement. J'étais en prison à ce moment-là. On m'a annoncé que ma fille, Kamaya Mobley, était née. J'étais super heureux. Et puis on m'a annoncé qu'elle avait été enlevée. Shanara déclare à la police que 8 heures après la naissance de sa fille, une femme qu'elle a prise pour une infirmière est entrée dans sa chambre. L'infirmière s'est intéressée à la grossesse de Shanara, âgée de 16 ans, et à son accouchement. Lorsque la femme prétend qu'elle doit prendre la température de Kamaya, Shanara lui tend son bébé sans poser de questions. Mais alors que la femme quitte sa chambre, un détail retient l'attention de Shanara. Elle a remarqué qu'elle avait un sac à main à l'épaule. Les infirmières n'ont pas leur sac au travail. Shanara explique qu'elle n'a jamais revu Kamaya, ni la femme. À ce moment du récit, les enquêteurs s'arrêtent pour demander à Gloria si elle a quelque chose à déclarer. Mais Gloria restant muette, ils poursuivent. Selon le rapport de police, après avoir interrogé Shanara, la police de Jacksonville visionne les images de la vidéosurveillance de l'hôpital. Ils y voient une femme avec un sac à main quitter l'hôpital à 14h57. Cette information est confirmée par plusieurs témoins. J'ai vu cette femme. Elle avait une blouse à fleurs. Elle est passée juste à côté de moi. Ils ont vu cette infirmière avec un grand sac parcourir les couloirs. Elle est sortie de l'hôpital en emportant le bébé. Selon la police, Kamaya se trouve à l'intérieur du sac. On a compris que le bébé avait disparu. Il fallait rendre l'information publique pour que les gens puissent nous aider à retrouver Kamaya. Le soir du 10 juillet 1998, la police de Jacksonville publie un portrait robot de cette femme. Toute la ville est en alerte maximale. C'était l'une des plus grandes chasses à l'homme que la ville ait connue. Craig Aiken, le père de Kamaya, tout juste sorti de prison, participe à cette traque. Il a désormais un but. Chaque jour qui passait, je me disais qu'ils allaient retrouver Kamaya. Et je me disais qu'il fallait que je garde la raison pour retrouver ma fille. Il fallait pas que je perde les pédales. L'appel à l'aide poignant de Shanara, la mère de Kamaya, émeut tous les habitants de Jacksonville. Les semaines qui suivent, la police reçoit des centaines de pistes, mais aucune n'aboutit. Plus le temps passait et moins il y avait de pistes. Les enquêteurs de police expliquent à Gloria Williams que tous les 10 juillet, alors que Charles et elle fêtent l'anniversaire de la fille qu'ils appellent Alexis, les parents biologiques de Kamaya célèbrent cette date avec une toute autre tradition. Tous les 10 ans, le 10 juillet, Shanara achetait un gâteau d'anniversaire. Elle coupait une part pour elle et une part pour sa petite fille, qu'elle enveloppait dans du papier cellophane avant de la mettre au congélateur. Les enquêteurs demandent une fois de plus à Gloria
si elle est prête à raconter ce qu'elle a fait ce 10 juillet 1998 et pourquoi. Ça a dû être un secret très lourd à porter pour Gloria pendant 18 ans. Lorsqu'elle dévoile la raison de son acte, les enquêteurs comprennent que l'affaire prend une autre dimension. Le désir de Gloria d'avoir un bébé a peut-être été motivé par la volonté de garder son partenaire à ses côtés. Ce n'était pas improvisé, elle n'a pas fait ça au hasard. Il y avait bien préméditation de voler un bébé. Cette femme a volé le bébé d'une autre. C'est ce qui s'est passé ici, à Jacksonville. C'était incompréhensible qu'elle ait voulu faire une chose pareille. En tant que femme, on se met à la place de Shannara. Shannara voulait ce bébé. Kamaya était désirée. Ça fend le cœur de voir ce que Gloria a fait. Gloria Williams, aide-soignante de 51 ans, vient d'être arrêtée pour l'enlèvement en 1998 de Kamaya Mobley. Un nouveau-né que, selon la police, Gloria aurait élevé comme son propre enfant pendant 18 ans. L'entourage de Gloria est stupéfait par ces accusations. Ça a ébranlé tout le monde. Certains devaient penser que Kamaya avait disparu à tout jamais, qu'elle était morte ou qu'elle vivait une autre vie ailleurs. Les gens ont été pris de court. Tout le monde pensait que c'était sa fille. Elle l'avait élevée comme sa fille. Depuis le début de sa garde à vue, Gloria n'a répondu à aucune question sur les chefs d'accusation à son encontre. Mais après avoir entendu les détails bouleversants du rapport de police de l'époque, Gloria se décide enfin à parler. Ça avait vraiment rongé Gloria Williams pendant 18 ans. Son secret était trop lourd. Elle savait que ce jour viendrait. Que la police viendrait un jour frapper à sa porte. Gloria déclare à la police qu'en 1998, alors qu'elle était enceinte de plusieurs mois, son compagnon, Charles Walker, s'est retrouvé en prison pour vol. Elle explique que malgré son arrestation, Gloria espérait que la naissance prochaine de leur petite fille forcerait Charles à arrêter une bonne fois pour toutes ce genre de délit. Gloria a révélé qu'elle pensait qu'un bébé remettrait Charles dans le droit chemin. Elle pensait qu'un bébé sauverait leur couple. Pourtant, Gloria déclare à la police que ses espoirs d'un avenir heureux ont été balayés en une fraction de seconde lorsqu'elle a fait une fausse couche. Elle a été faire une échographie et le fœtus avait cessé de grossir. Sa fausse couche a été une épreuve terrible. Elle en a beaucoup souffert, elle s'est sentie profondément seule. En plus de cette douleur, Gloria craint que Charles ne mette fin à leur relation en découvrant cette fausse couche. Elle ne voulait pas que cette fausse couche lui coûte sa relation. Je crois que Gloria n'en a parlé à personne. Je crois qu'elle ne voulait pas accepter que cette grossesse avait pris fin. Gloria explique que le soir du 9 juillet 1998, elle est submergée par ses émotions. Seule, pleurant son bébé qu'elle a perdu et redoutant les conséquences de cette fausse couche sur son couple, elle commence à imaginer par quels moyens elle pourrait obtenir à la fois le bébé et l'homme dont elle a toujours rêvé, quel qu'en soit le prix. Quand les gens sont brisés et désespérés, ils sont prêts à tout, vraiment tout. Les choses ont commencé à déraper. Gloria déclare que le lendemain, elle se retrouve en route pour Jacksonville, dans l'état de Floride, pour commettre cet acte impensable. Gloria a volé cet enfant pour Charles, dans une envie désespérée de sauver son couple. Il était tout ce qu'elle avait toujours voulu, et elle pensait pouvoir le garder comme ça. Les enquêteurs sont sidérés. Comment Gloria a-t-elle pu cacher son crime pendant toutes ces années? Et surtout, a-t-elle révélé un jour son secret à Charles, faisant ainsi de lui son complice? Ou bien Gloria le lui a-t-elle volontairement caché pour le garder à ses côtés? Charles n'avait aucune idée de la gravité des actes que Gloria Williams avait commis pour lui
et pour leur couple. Ça n'a pas suffi à sauver leur couple. Elle savait que ce qu'elle avait fait était répréhensible. Elle savait qu'elle n'avait pas les idées claires à cette époque-là. Et au fil du temps, en vieillissant, et en regardant cette petite fille merveilleuse s'épanouir, elle était hantée par ce qu'elle avait fait. Mais elle ne savait pas quoi faire. Alors elle a continué de l'élever comme si de rien n'était. Gloria Williams avoue avoir enlevé Kamaya Mobley, âgée d'à peine quelques heures, dans un hôpital de Jacksonville, en Floride, en 1998. Selon elle, il s'agissait d'un acte désespéré pour recoller les morceaux avec son compagnon de l'époque, Charles Walker. Elle était déjà divorcée. Et quand elle s'est mise en couple avec Charles, elle voulait à tout prix que ça marche. Quand il a été arrêté, Gloria était enceinte de Charles et il était heureux. Gloria pensait que ce bébé allait le remettre dans le droit chemin. Ce bébé allait changer sa façon de voir les choses. Il allait être père et devenir responsable. Elle était très instable. Elle venait de faire une fausse couche, son couple était en péril, et pour elle, tout ça était source de beaucoup de peine, et elle n'avait aucun soutien. Donc à ce moment-là, elle a pris cette terrible décision d'enlever un bébé. Son plan fonctionne, du moins dans un premier temps. Deux semaines après avoir ramené le bébé chez eux, Charles est libéré de prison. Charles a déclaré que cette petite fille lui avait donné la motivation pour changer de vie. Et Gloria était heureuse également. Son plan avait fonctionné. Gloria déclare aux enquêteurs que même si Charles s'était métamorphosé grâce à Alexis, leur couple avait de sérieux problèmes, que même l'arrivée d'un bébé n'a pas su résoudre. Charles l'aimait comme sa fille. Pour lui, c'était son bébé. Mais dans sa relation avec Gloria, il y avait un certain nombre de choses qui ne collaient pas. Ils n'ont pas su recoller les morceaux, alors ils en ont pu. Gloria, après avoir traversé des épreuves, avait enfin tout ce qu'elle avait toujours désiré. Et puis tout ça allait de nouveau disparaître. D'après Gloria, Charles n'a jamais su la vérité sur sa fille. Ni personne, d'ailleurs. Charles a versé une pension pendant 18 ans pour la fille qu'il pensait être la sienne. Cette illusion est devenue sa réalité, alors elle a continué de mener cette vie parfaite et a offert un environnement idéal pour Alexis. Gloria déclare que le crime qu'elle a commis pesait un peu plus sur sa conscience chaque année qui passait. Finalement, c'est au 16e anniversaire d'Alexis, alors que la jeune fille cherche un travail, que Gloria craque. Elle lui dit qu'elle ne s'appelle pas Alexis, mais Kamaya Mobley. Gloria pense qu'Alexis ne lui pardonnera jamais ce qu'elle a fait. Mais ce n'est pas ce qui se produit. Alexis lui répond, « Peu importe, tu es toujours ma mère, je t'aime toujours. » Pendant les deux années qui suivent, Alexis et Gloria continuent le cours de leur vie. C'est un secret qu'elles ont gardé toutes les deux. Charles ne se doutait absolument pas que sa fille n'était pas sa fille. Les enquêteurs sont stupéfaits par le récit de Gloria. Jamais ils n'ont entendu pareille histoire. Mais pour la confirmer, ils doivent comparer l'ADN d'Alexis, âgé de 18 ans, avec celui de Kamaya, prélevé le jour de sa naissance. Dans l'heure qui suit, Alexis arrive au poste. Alexis here. Of course, she's a little loud out there. I'm gonna let her come in, let you talk to her, make sure she's okay. La police a accepté de leur laisser un moment pour qu'elle se dise au revoir. It's okay. It's okay. You know I love you so much. It's okay. What do you want to do? I'm trying to be strong for you. Elle se serrait dans les bras et elle pleurait. C'était bouleversant. Encouragée par sa mère,
Alexis accepte de se faire prélever un échantillon d'ADN par les enquêteurs. Il le compare avec celui prélevé sur Kamaya le jour de sa naissance. Les résultats ont permis d'établir qu'Alexis était bien Kamaya Mowgli. Presque 20 ans plus tard, la police retrouve donc la fille disparue de Shannara Mowgli. Gloria Williams, quant à elle, est inculpée d'enlèvement et d'infraction à la garde d'enfants. Un crime aggravé, passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité en Floride. En Caroline du Sud, elle était vue comme une femme pieuse, mais ce n'est pas l'image qu'elle avait à Jacksonville. À Jacksonville, Gloria Williams était un monstre parce qu'on savait ce qu'elle avait fait. Chaque jour où Gloria Williams avait Kamaya Mowgli avec elle, c'était la poursuite de l'enlèvement. Gloria est désormais inculpée et les enquêteurs doivent parler à Charles Walker. La police pense que Charles n'était pas impliqué de quelque manière que ce soit. Une conversation téléphonique avec Charles permet de le confirmer rapidement. Charles était stupéfait. Il était impliqué dans un crime avec lequel il n'avait rien à voir. Il a appris que le bébé qu'il avait fait revenir dans le droit chemin n'était en réalité pas son bébé. Cette nouvelle l'a beaucoup perturbé. À Jacksonville, les parents de Kamaya reçoivent un appel qu'ils n'attendaient plus. Le procureur nous a appelés. On ne s'y attendait pas du tout. Et il nous a dit, on a retrouvé votre fille. Craig Aiken et Shannara Mowgli font les 3 heures de route qui séparent Jacksonville de Walterboro pour rencontrer leur fille. C'était merveilleux de la rencontrer pour la première fois. Elle était radieuse. C'est un des plus beaux moments de ma vie. L'émotion submerge la jeune femme, qui a désormais 2 identités et 2 familles. Toute sa vie était une supercherie. Tout n'était qu'un mensonge. Mais sa vie lui plaisait, jusqu'à ce qu'elle découvre la vérité. Lors de la comparution initiale, Gloria Williams plaide coupable d'enlèvement, épargnant à tout le monde un procès pénal éprouvant. Il incombe désormais au juge de décider de son sort. La souffrance qu'elle a infligée à Shannara et à Craig méritera-t-elle la peine maximale ou les 18 années passées à élever Alexis dans l'amour lui vaudront-elles la clémence du juge? C'est un crime horrible, mais finalement, si on regarde la situation, Alexis a été bien élevé. La défense s'est employée à prouver que cette petite fille avait eu une belle enfance. Ça a blessé Shannara Mowgli et Craig. On avait tout volé à cette famille. Quand je la regarde, je ne vois pas une femme pieuse, ni une mère ou une voisine. Tout ce que je vois, c'est une criminelle. Shannara et Craig ont été appelés à la barre. Ils ont parlé des conséquences que l'enlèvement a eues sur eux. Ils ont tous les deux été brisés par cet événement. Mais pour Craig, il n'y avait pas d'autre choix que d'accepter. Quand j'ai rencontré Kamaya pour la première fois, je l'ai serrée dans mes bras pendant longtemps. C'était la première fois que j'entendais sa voix. On s'est assis autour de la table et on a parlé comme si on s'était toujours connus. Comme si elle n'avait jamais disparu. L'amour qu'on avait pour elle depuis presque 20 ans a ressurgi d'un coup. Le 4 mai 2018, le rendu du verdict s'ouvre dans une salle d'audience pleine à craquer à Jacksonville, en Floride. Gloria a plaidé coupable pour l'enlèvement du nouveau-né Kamaya Mowgli et pour l'avoir élevé comme sa fille pendant 18 ans sous le nom d'Alexis. Gloria a bien élevé cette fille, mais elle a aussi brisé des vies. Charles Walker, l'homme qui a pris Kamaya Mowgli pour sa fille biologique pendant 18 ans, est également présent. Son chagrin est perceptible. Quand il a su que ce n'était pas sa fille, il a eu le sentiment de la perdre. Il était déboussolé. Lorsque Gloria arrive à la barre, elle explique ce qui s'est passé le 9 juillet 1998, la veille de l'enlèvement de Kamaya. Gloria fait une fausse couche et elle se donne alors une mission. Fausse couche ou pas, elle aura un bébé coûte que coûte.
Quand Charles sortira de prison, il y aura un bébé qui l'attendra à la maison. Il attend ce bébé. Elle a déclaré qu'elle avait pris l'autoroute en direction du sud. Gloria déclare qu'elle arrive en Floride en direction de Jacksonville vers 10h du matin le 10 juillet. Elle a déclaré être arrivée à cet hôpital par hasard. Elle ne savait pas comment elle allait avoir un bébé. Gloria pénètre dans l'hôpital, vêtue de sa tenue d'aide-soignante. Elle portait une blouse à fleurs, tenue classique des aides-soignantes dans n'importe quel hôpital. Gloria déclare qu'elle avance dans les couloirs du service maternité sans savoir ce qu'elle va faire. C'est à ce moment-là qu'elle tombe sur Shanara Mobley, âgée de 16 ans, avec son bébé dans les bras. Elle a déclaré qu'elle s'était assise et avait discuté avec Shanara. Gloria reconnaît qu'elle enlève Kamaya à sa mère en prétextant devoir prendre sa température. Mais en réalité, elle dissimule Kamaya dans son sac et sort de l'hôpital. Il n'y a qu'une seule raison qui l'a poussée à enlever ce bébé, sauver son couple. N'ayant révélé sa fausse couche à personne, Gloria déclare que personne n'a sourcillé lorsqu'elle est rentrée le lendemain avec un bébé. Gloria Williams a réussi à convaincre les gens qu'elle avait accouché. Elle a trompé tous ses proches. I'm sorry about all of this. I'm not a bad person. Le plus dérangeant, c'est qu'elle se soit fait passer pour sa mère pendant tout ce temps. Elle a pris notre place. I did a wrong thing. I did. If I could do it all over again, no, I wouldn't do it. Le témoignage de Gloria est poignant. Mais la déclaration de Shanara Mobley, mère de Kamaya et victime de cette affaire, atteste de l'atroce souffrance que l'acte de Gloria a causée. She wouldn't have went into a grown woman's room and done that. Okay, you're saying because you were so young. Yeah, because I was young and she came in there and prayed on the child, and that's what she's doing to my child. Yes. I am your mother, Kamaya. Shanara explique qu'il n'y a qu'une seule peine qui convient pour la femme qui a volé son bébé. It's only one sentence and I don't think she's open up for that. I would say death. C'était des blessures encore récentes. Elles venaient de se rouvrir. Shanara était encore cette jeune femme de 16 ans meurtrie à l'hôpital. Celle qui criait pour qu'on lui rende son bébé. Elle n'avait pas changé. Elle avait des enfants merveilleux qui l'aimaient très fort. Elle voulait un autre enfant. Elle avait déjà choisi un prénom. Être mère, c'était toute sa vie. La somme versée par l'hôpital dans l'accord à l'amiable qui avait été trouvé lui a permis d'offrir une vie confortable à ses enfants. Mais l'argent ne l'a jamais intéressée. Sa fille valait plus que tout l'or du monde. Après avoir entendu Gloria et Shanara, le juge condamne Gloria Williams à 18 ans de réclusion criminelle pour enlèvement et infraction à la garde d'enfants. Dans la vie, certains actes méritent un châtiment, et c'était le cas là. Une fois Gloria conduite en prison, une question reste en suspens. Où Kamaya, désormais âgée de 19 ans, choisira-t-elle de vivre? Portera-t-elle son nom de naissance ou le nom que la femme qui l'a enlevé lui a donné? Elle a plus de 18 ans, c'est à elle de choisir. Elle est victime de tout ça. Kamaya décide de garder Alexis Walker comme nom et de rester en Caroline du Sud, aux côtés de ses amis et voisins qu'elle connaît depuis toujours. Cependant, elle décide de rester en contact avec sa famille biologique en Floride. On essaie de construire un lien. Je l'ai aidé à acheter sa première voiture. On fait plein de trucs ensemble pour la première fois. On est heureux de l'avoir retrouvée. À la surprise de beaucoup, Kamaya reste en contact avec Gloria. Elles s'écrivent des lettres. Elle aime cette femme qui l'a enlevée. Gloria, quant à elle, aura 18 ans pour réfléchir à ce qu'elle a fait, aux vies qu'elle a brisées,
dans le but de faire revenir l'homme qu'elle aimait dans le droit chemin et de le garder pour toujours. Elle voulait qu'il retombe amoureux. Gloria avait eu un bébé qui lui permettait de récupérer son âme. Même si au fond d'elle, elle savait que c'était un acte répréhensible, Gloria était prête à tout pour rendre Charles heureux, pour satisfaire ses besoins, quel qu'en soit le prix. On dit qu'il n'y a pas d'amour plus fort que celui d'une mère pour son enfant. L'amour entre deux amants est bien plus fragile. Et si cet amour est construit sur un mensonge, sur un terrible secret, il peut s'éteindre en une fraction de seconde. Et l'amour que l'on pensait être un rêve devenu réalité se révèle être ni plus ni moins qu'une illusion.